On a d'abord deux équipes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer souvent, l'Équateur et le Honduras. Ce sont deux équipes qui jouent très bien au football et qui ont surtout, qui sont presque à domicile surtout. Et puis l'équipe de Suisse qui est classée 8e au classement FIFA, c'est-à-dire très haut. Voilà, trois adversaires sérieux pour nous et il faudra très bien se préparer. Vous savez, sur le papier, ça ne veut pas dire grand-chose. On a vu dans les éditions précédentes que avoir un tirage, paraît-il, favorable, c'était meilleur. Ça n'a pas été le cas. Donc, à nous d'être, je le répète, très sérieux. Le Honduras, c'est une bonne équipe. L'Équateur, encore plus, qui est avec nous au classement FIFA, quasiment au même niveau, avec des joueurs comme Valencia, qui joue à Manchester United, des joueurs de très bonne valeur. Et évidemment, les Suisses qui ont fait des matchs éliminatoires de très très haut niveau. Ils ont survolé leur groupe et fini premier très loin devant les autres. Donc voilà, on a 6 mois pour se préparer. Pour relativiser les choses, il y a 15 jours, on était presque éliminés, on était presque en enfer. Et puis, il y a eu ce match contre l'Ukraine qui a été excellent au niveau de l'intensité et au niveau de l'état d'esprit. Et puis voilà, on est passé maintenant au tirage avec des adversaires qu'on connaît. Et évidemment que nos adversaires vont faire aussi tout ce qu'il faut pour nous battre. Voilà, il faudra être très bon le 15, le 20 et le 25 juin.